Attendez. J'arrive, j'arrive, hein. Je sais que ça sonne. Oh! J'arrive, 2 secondes, je m'aperçois que j'ai un chien. Coucou toi! Attends. Qui c'est qui... Oh bah, je suis une enfant. Oui, allô? Hi, détective! Quoi? Oh, is your first day home alone going? Are you scared? Alors attends, moi je suis détective avec ma petite taille? Ouais, on est d'accord, le son... Attendez. Ah merci. Le chat qui me dit aussi que le son du jeu est très bas. Je suis assez d'accord avec vous, le son est très très bas. Attendez. Le son du jeu un peu faible. Après, le souci de ce genre de truc, c'est que le son du jeu est un peu faible. Mais tu vas voir que dès qu'il va y avoir un jumpscare, on va tous se faire détruire les oreilles et plus personne ne pourra entendre. Alors, je vais utiliser Google Lens, comme ça au moins on traduit en temps réel et je suis sûre de pas trop faire de fautes au niveau de la traduction, même si je sais que vous êtes des traducteurs hors pair. Hey détective, comment allez-vous? Pas du tout. Pourquoi il me dit ça? Hey détective, comment se passe votre premier séjour seul à la maison? Êtes-vous effrayé? What the fuck? Ok. Donc c'est parti. Ah, bien sûr que non, tu es trop courageuse pour ça. Et bien sûr, tu as Kayla qui te tient compagnie. Donc Kayla, j'imagine, c'est mon chien. Celui que j'ai vu juste avant, je pense. En parlant d'elle, n'oublie pas de la nourrir. Je t'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine avec les choses dont tu dois t'occuper pendant notre absence. Ok. L'année prochaine, à cette époque, tu auras 12 ans. Alors je peux t'emmener avec moi à une expo d'escape room. Attends, quoi? T'as laissé ta gamine de 12 ans toute seule? Mais quoi? Non mais la pauvre, elle a 12 ans. Ne t'inquiète pas, j'ai préparé quelques trucs pour toi, comme ça tu pourras t'entraîner à résoudre des énigmes depuis chez toi. Non mais... Mais quoi? Avant que j'oublie, les circuits ont été assez têtus ces derniers temps. Au cas où ils se casseraient à nouveau, il y a... Oh non, il y a une note dans le tiroir de la cuisine expliquant tout ce que tu dois savoir. Et voilà, je le savais. Je le savais. La mère horrible qui laisse son enfant tout seul. Tout seul, hein. Non mais là c'est pas pour une soirée, je pense que ça se trouve elle s'est barrée pour le week-end. Et en plus de ça, il y a des problèmes électriques. Et tu dis à ton enfant de 12 ans, je t'ai fait une note, si jamais il y a le compteur qui saute, tu vas savoir le remettre assez vite, t'inquiète pas, il sait que en 12 étapes. Donc rapide. Assez parlé, vous êtes en mission maintenant. À bientôt mon amour, prends soin de toi. Ah c'est incroyable, c'est trop mignon. Ok. Calendrier. Donc elle m'a dit, il y a une note dans le tiroir de la cuisine. Ça c'est les couverts. Ah oh, ça c'est les boîtes pour le chien. Ou à moins que c'est les boîtes de la maison. Ah! Oh une flashlight. Ok. Alors ça, préparez-vous. Préparez-vous, je le sens mal. Je réutilise Google Lens parce que on a besoin de Google Lens pour traduire. En cas de panne de courant, le disjoncteur est au sous-sol. Il est verrouillé avec un code à 4 chiffres et nécessite un nouveau fusible. Eh, rien que ça. On devrait avoir un fusible de rechange dans le garage quelque part. Pour le code, j'ai laissé un indice quelque part. Dans la chambre principale. C'est un rendez-vous mémorable pour ta mère et moi. Mais quoi? Mais à quel moment tu fais ça? À quel moment tu fais ça? Non, les gars, moi je suis pas bien. Tiens, reste avec moi, toi, Kayla. Oh! Je peux regarder la télé? Turn off, non, non. Inspect? Mais on est où là? C'est la porte des étoiles? Attends, on va aller dans la room principale. Ah! Oh non, mais les parents, c'est des oufs. Non mais. Cherche le fusible tout de suite. J'avoue que t'as raison. Oh bah tiens. Allez hop! Oh non. Entrez le code. Les gars.
Non, non, je vous vois personne, moi. Moi, je vous vois personne. Hein. Merci beaucoup, Alanon. Merci beaucoup pour ton deuxième mois. Cookie, j'espère que tu vas bien. Ce que je vois, c'est le retour des jeux de rôle de qualité dégueu. Je suis sur YouTube depuis. Je veux partir, sinon continue. Avec ma mère, on s'éclate devant tes vidéos. Et ton sainte-mère est une ref chez nous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, donc là, il y a la salle de bain. Salle de bain, techniquement, on s'en fiche un peu. Ça, c'est la room principale, non? Ça doit être la room principale. C'est ça le truc important. Et paf, 1947. Retenez. 1947, le chat. 1947. Je le sens excessivement mal, hein. C'est cool, il a sa propre petite salle de bain et tout. Ok, donc là. Oh, je veux laisser ça ouvert. Oh, ça, je laisse ça ouvert. Ça. Ah, je peux pas laisser ça ouvert. Ah oui, j'aime bien les. Tout ce qui est escape room et tout, j'aime bien. Par contre, je laisse ça ouvert au cas où. J'ai pas confiance. Moi, je déverrouille tout avant, j'en ai rien à foutre. Alors, est-ce que. Ah, c'est pas du tout ça. What? C'est ça? Oh non. Bon. Ça va être compliqué, ça. 1947. Je pensais que c'était des chiffres que je devais rentrer. Mais ça doit être ce truc-là. Je sais. Non, je sais pas. Ce que j'allais dire, du coup, il doit y avoir une lettre qui correspond à une autre lettre. Mais non. Mais les lettres qui correspondent à 1945, peut-être. Ça fait quoi, ça, en lettres? Donc, il y a A. 1947. Donc, pour le A, c'est quoi? Bah non, attends. Ah, IDG. Bah ouais, mais même comment je rotate le truc, tu vois. Non, non, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond à trouver, les gars. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver de plus recherché, si vous voulez mon avis. AORU. Je pense pas que ce soit ça, si. Vous pensez que c'est ça? Le prénom du chien, mais il n'y a pas assez. C'est Kayla son nom. Ah mince, tu devrais pas nourrir le chien d'abord, il va crever de faim. C'est vrai qu'il a peut-être faim le chien. Je dois d'abord finir les autres tâches. C'est vrai qu'il a faim, le chien, sûrement. Merde, qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas aussi des lettres derrière le cadre? Je crois pas, hein. Home, comme code. C'est vrai que c'est pas con. Ah, attends, c'est quoi ça? Oh! Watch at the fireplace slowly burn. No stress, no exception, no demand. Alors attends, just look at saying under the blanket. Frozen, confortable. Donc UBZR. C'est peut-être ça? UBZR? Mais alors je pense que c'est pas comme ça, du coup. Ouais, voilà, ça va pas être aussi simple, je pense. B. Non, ça va pas être comme ça. Je pense pas. Ça va être là-dessus, non? Mais non, je pense pas, c'est pas possible. Oh les gars, vous avez une idée ou pas?
B, R. Il n'y a pas le U ici, si. On n'a que le R. Et là, il n'y a pas le U. Mince, tu dois traduire avec ça. Alors. Ouais, c'était 1947, la grille. Tu dois manger au chien, peut-être qu'il te donnera quelque chose, je sais pas. Cherche le Z en premier. Tu vois, ça, c'est les lettres qui apparaissent, je crois, là-bas. Hein. Je comprends pas comment utiliser ça, en fait. Mets-le dans l'ordre, genre U. Ah, comme ça? Et après, je regarde le B, c'est ça? Donc, ça ferait, genre comme ça, U, B, Z, R. Du coup, je regarde A, A, H. A, H. Non, c'est pas ça. Non? Ah, c'est le B d'abord? Non, c'est quoi? Alors attendez, U, B. En fait, ça doit être ça, je pense. J'ai le B là ou pas? B. B, ça donne A. Mais déjà, il y a le A ou pas? ZR, attendez. Parce que le U, ça serait T. Déjà, est-ce qu'on a A? Ah, on l'a le A, ouais. Donc peut-être que le A, il est en seconde position. Donc... Ça peut pas être UBZR. La pub. Donc le U, ça serait quoi? U, ça serait T. Est-ce qu'il y a T? Attendez, s'il y a T, c'est qu'on part sur le bon truc. Pas du tout T. Là, il y a T. Ah, mais non. En fait, je pense savoir ce que c'est le bail. Non, il n'y a pas home. En fait, je pense que ça, faut juste trouver l'ordre des lettres. Non? Il faut juste trouver l'ordre, je crois. Je pense qu'il faut juste trouver l'ordre des lettres. A égale N. A. A égale N. What? Ah, j'ai compris. A égale N, U, B, Z, R. Donc, A égale N. Donc, je mets le N. Voilà. Et là, je cherche U, B, Z, R, c'est ça? Donc, H. Oh, ça se trouve, c'est pas ça. H, O. U, B. Z. Et R. Home. Ça fait home. C'est home, la réponse. D'accord, mais... On a le O? Oh, purée, je savais pas. Ok, eh bah dis donc. C'était quoi le code des parents? 1900 quoi? Après, bon, ça... 1947. Bon, après, le courant s'est pas coupé. Donc, je pense que là, pour le moment, je peux rien faire. Mais vous savez que j'ai trop peur. Y'a qui? Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a quelqu'un qui est dans la maison, putain. Il y a quelqu'un qui est dans la cage d'escalier. Ok. Non, il a pas faim, le chien. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon. Viens, on va manger. Viens, viens. Il veut pas manger, comment je peux le donner à nourrir? T'as faim peut-être, c'est ça? T'as faim sûrement. Je pense que t'as faim. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est sous le lit, les gars. Pourquoi le chien il aura aboyé sur la cage d'escalier? Un chien qui a faim, il aboie pas devant la cage d'escalier. Un chien qui a faim n'aboie pas devant la cage d'escalier. C'est vrai que la bouffe, elle était dans la grille, là. Là. Vert, bleu, jaune, rouge. Comment je trouve ça? Vert, bleu, jaune, rouge? Les gars, je suis pas bien. Étagère dans ta chambre, regarde au-dessus de ton canapé. Oh! Rouge, bleu, jaune, vert. Oh, mais vous êtes des cracks! Mais vous êtes des cracks! Putain, mais. Vas-y, mange, mange! Mange, mon loulou! J'ai envie d'enlever le casque. J'ai envie d'enlever le casque. Il y a quelqu'un dans la... Il y a quelqu'un dans la putain de maison. Il y a quelqu'un. Je suis pas bien. Les gars, je vais devoir remettre le casque. Hein. Il va falloir que je reprenne mon courage à deux mains et que je remette le casque. Bon, je vais aller en haut. Je pense que c'est en haut qu'il se passe les trucs. Tiens, mange, mange, loulou. mai 1947. Oh la vache, pendant deux secondes je me suis dit ça se trouve il y a quelqu'un qui est couché dans la baignoire. Oh je suis pas bien.
Mais attends, c'est quoi les tâches que je dois faire? Ça m'a parlé de tâches à faire. C'est ça mes tâches à faire? Non mais attends, ça parle du digicode. Le chien, il peut pas venir avec nous, Théma? S'il te plaît. Le chien. Je vais me faire buter. Hein. Les gars, le jeu il commence tellement à m'angoisser. En fait, c'est bizarre parce que je peux vraiment pas interagir. Droite de l'évier. J'avais pas vu. J'avais pas vu depuis tout à l'heure. Excusez-moi, j'avais pas vu. Colette the Laundry. Ah oh, bah là, j'avais pas vu. Ah oh, bah alors là, on avait des tâches à effectuer. Et bien évidemment, Kiki est aveugle. Et elle a pas vu qu'il y avait des tâches à effectuer. Alors, accéder au placard en métal et nourrir Kayla. Ça c'est fait. Récupérer le linge dans votre chambre et démarrer la machine à laver. Laisser Kayla dans le jardin et sortir les poubelles. PS, ta mère a dit qu'elle avait des... Réarranger les tableaux du salon, pourquoi voulait-elle que je te le dise? Ah ben ça, les tableaux, du coup, on l'a fait. Récupérer le linge dans la chambre et démarrer la machine à laver. Laisser Kayla dans le jardin et sortir les poubelles. Qu'est-ce qui a bougé? Il y a eu un bruit? J'ai enlevé le casque, les gars, parce que je chie dans mon froc. Est-ce que je dois remettre le casque? Vous savez que je le sens pas. Hein. Attends, attends, attends. Elle est où la panière de linge? Le jeu est vraiment pas mal du tout. Hein. Vas-y, mange, Kayla. Mange, mange, mange. Tous les bruits qu'on entend, c'est que des bruits ambiants. C'est quoi ces bruits de merde? Attends, elle est déjà sortie? Kayla doesn't want to go inside yet. Non, 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 moi je reste avec le chien. Ah non, moi je reste avec le yinche. Non, non, non. Moi je reste avec le yinche. Non, non, hors de question. Je me mouche et tout si vous voulez, mais je reste avec le chien. Non, non, c'est pas question, moi. Pas question ce genre de conneries. Hein. Ah non, non, non. Tu dois sortir la poubelle aussi. Ah. Bonjour madame! This isn't the small detective, your mother has come to check you. Quoi, 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 quoi? Attends, 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 t'es qui toi? T'es qui ma grande là? Attends, attends, attends. I don't speak English, but I have Google Lens. Hein. Si c'est pas le petit détective, votre mère m'a demandé de vous surveiller de temps en temps. Non mais est-ce que c'est vrai ou pas?
Ah, ne t'inquiète pas, elle sait que tu es assez vieux et courageux pour être seul, mais un peu de paranoïa saine ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je vous laisse 90 par jour si vous... Attends. Elle m'a laissé 90 balles? Si vous avez besoin de compagnie, n'hésitez pas à venir. Ah non, go! Bah c'est Google Lens qui me dit 90. Je comprenais pas. J'étais en mode, ouais, elle m'a donné de la thune et tout. Ah, j'avais compris. Non, non, mais attends. Il est où le chien? Kayla? Kayla? Il est où le yinche? Kayla? Oh, t'es là, j'ai eu trop peur. Tu m'as fait... Oh non. Le code, le code, le code! C'était quoi les copains? Ok. C'est parvenu pour autant, si? Oh non. Je vais me faire buter. Attends, je peux appeler la police ou pas? Je suis pas bien. Ça va, loulou? Ça sent le gros screamer. Hein. J'ai envie d'en... Sans déconner, j'ai envie d'enlever le casque. C'est le genre de jeu. Ah non. Hey, vous allez bien? Madame Burnwood a appelé. Elle a dit qu'elle avait vu quelqu'un autour de la maison. Elle a déjà appelé les autorités. Envie de crever. Envie de crever. Envie de crever. Envie de crever. Ça y est. Et la personne m'attend à la porte. Hein. Ta 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 ta. J'ai envie de crever. Montez à l'étage et cachez-vous quelque part et vérifiez si c'est sûr. Et le chien? Le chien? Le chien? Attends, donc là, la meuf qu'on avait vue, c'était quelqu'un de mauvais, on est d'accord. Donc, il y a plusieurs fins, je sais pas. Donc là, le chien est mort. Nous, on s'est fait buter, je pense. Oui, par contre, moi, je pensais qu'il allait avoir un screamer. J'étais persuadée qu'il allait avoir un screamer. Et il n'y a pas de screamer. J'étais persuadée qu'il allait en avoir.